ça, c'est la partie où vous faites cuisine, du camping, où tout le monde vient petit déjeuner, faire son repas, etc. Surtout ceux qui ont des vannes ou qui sont en pote comme vous avez les frigos, puis les installations. On se retrouve aujourd'hui pour le Helpex. Qu'est-ce que c'est le Helpex? En fait, c'est une sorte d'échange que vous pouvez faire un peu partout dans le monde. Il y a une application pour ça. C'est vous faites quelques heures de travail, ça peut être 3-4 heures. Alors, il y en a qui demandent jusqu'à 8 heures. Mais faire du jardinage, construire la piscine comme Benjamin a fait là-bas. Faire la cuisine, ce genre de choses. Enfin, c'est rendre un service contre le logement et la nourriture gratuitement. Et là, Benjamin, du coup, ce matin, il enlève les mauvaises herbes. En anglais, ça se dit weeding. Lavande. Lavande. T'aimes bien ça? Oui. Donc là, on a tout le jardin à faire. Et puis la petite brouette. Et voilà. Voilà ce matin, du coup, préparation des prunes et le tea time de 10h30 à 11h. On a un break avec les propriétaires. Soit elle nous fait manger tous les matins, et ce matin c'était moi. On a des petits gâteaux au chocolat, ça c'est pour les crêpes. Le café qui arrive bientôt et les crêpes. Là, on se dirige vers le champ d'avocats. Là, on vous présente le mur que Benjamin a construit. C'est que moi. C'est que toi. Un petit muret comme ça pour protéger les fleurs. Pour la petite histoire, ça c'est un arbre avocat très spécifique car il ne va produire aucun avocat. C'est un avocat en fait qui va, un avocatier qui va seulement envoyer l'énergie dans les branches et qui ne va rien produire du tout. A contrario de celui-là, ici. Où en fait, on a ce gros machin. En fait, on a pris la base du premier. On va l'appeler l'avocat pied mâle, qui est à peu près ici. Ensuite, on a coupé et on a mis un avocatier femelle. Comme ça, en fait, le premier avocatier prend toute l'énergie dans la terre, l'envoie dans l'avocatier femelle, ce qui va ensuite produire des avocats. Alors ici, on a un tout petit avocat. Alors s'il est petit comme ça, c'est qu'en fait, les avocats, normalement, ils vont tout en haut de l'arbre pour capter les rayons du soleil. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont se développer. S'ils restent en bas, pas de lumière, pas de développement, petit avocat. Ça, c'est le fameux avocat. Donc ça, c'est le numéro en fait du champ d'avocat qu'il y a ici. Donc c'est leur identifiant. Et si vous trouvez en magasin ce numéro 39021 sur vos avocats, c'est qu'ils viennent d'ici. Parce que la production d'avocats en Nouvelle-Zélande est produite ici, récoltée en septembre et envoyée partout dans le monde. Petite présentation du Helpex, donc ça, c'est le garage et nous en fait on est accolé ici dans le petit container. Actuellement on se situe à Paoya Beach. Voilà dans le Helpex.
la première partie cuisine avec les poubelles, l'évier, etc. Donc là, on a la deuxième partie de la cuisine avec le côté four, cuisson et la hotte. Donc là, on a accès aux condiments. Et comme dans tous les pays chauds, il faut tout mettre sous petit perroir ou dans des sachets parce qu'avec les animaux et la chaleur, bah sinon on a des soucis de fourmis, de cafards, etc. Avec le coin canapé, la salle à manger, là où Benjamin édite. Et puis on a cette sublime vue. Alors là, avec la bâche, on voit pas grand chose. On a vue sur l'océan Pacifique, ça c'est cool. Hop. Et puis là, on a notre chambre. Donc avec le lit, le côté, le fauteuil, hop, le porte-manteau, petit miroir. Là, on a une sublime vue, maintenant on verra mieux. Du coup, avec l'arbre et l'océan, notre armoire pour mettre toutes les affaires, et puis la salle de bain, une salle de bain classique. On a trouvé le dos. Désolé. Quoi? Tu fais la maligne? Tu fais la maligne? J'essaye de communiquer. Tu me cherches, toi, hein? Je parle pas la vache néo-zélandaise. J'ai gagné. Qui a gagné? C'est parti! Ça reste pas trop dur? Ça pédale dur. Ça pédale dur, quelle vie. Allez. Allez, viens ici! Foutu chat! Jacket ou pas? Ouais. Je sais pas comment il va s'en sortir. Déjà, moi je galère parce que c'est une première. Benjamin va-t-il survivre à l'atelier kayak à deux tout seul? Du coup, là il a un canoë à deux pour aller tout seul avec une rame de paddle parce que tout va bien. Il n'y a pas de paddle. Il n'y a pas de paddle? Tu vas tomber. A few moments later. C'est bon. La créature dans son milieu naturel. Benjamin et l'eau dans l'histoire de la mort. Sont pas ce que je pensais avant, des poulets chauds. Oui, non. Voilà, ça c'est mon nouveau d'anglais. On va y arriver un jour. Et voilà, on s'emmène en balade avec vous. Voilà, et sinon, a priori, autour donc, de cette première balade qui fait le tour du monde, il y a moyen de voir des pingouins et des névicides. Des névicides. Dans des otaries, des fois, des otaries.